Bon, peut-être juste avant de passer au cours suivant, quand même, je vais illustrer un petit peu ce dessin-là. Donc, si vous voulez, là, c'est une situation un peu spéciale où je suis symétrique dans les neuf dimensions de l'espace. Donc, j'ai un self facteur de Hubble H et bon, mon dilaton barré hein, là. Et on peut décrire donc l'évolution de l'univers dans les différentes solutions avec des lignes dans cet espace bidimensionnel. Donc la solution qui décrit un pré-Big Bang du type accéléré, c'est cette ligne droite-là. Si je fais une opération de inversement du temps, je passe à cette solution-là. Si je fais une transformation de dualité des facteurs d'échelle, je passe à cette solution-là qui est une contraction à t négative. Et finalement, si je fais la combinaison des deux, bon, là, on a mis un plus, mais c'est plutôt peut-être une multiplication. Donc, je fais la transformation de T-dualité et d'inversion du temps. Je passe à une cosmologie du type conventionnel. Donc, expanding post-Big Bang, ça veut dire une évolution, une expansion décélérée de l'univers. Hein, donc, c'est la cosmologie traditionnelle. Donc, plutôt, serait mieux de dire, partons de la solution qu'on connaît aujourd'hui, disons, qu'on aime bien pour décrire l'univers depuis 10 milliards d'années. C'est cette solution-là. Mais on peut associer à cette solution-là son inverse dans le temps. Ça, on le connaît bien. On peut tourner à l'envers l'histoire de notre univers et on a une contraction accéléré. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire ça? H négatif, ça veut dire contraction. Et cette flèche veut dire que la contraction est toujours plus rapide, parce que H est négatif, mais il est toujours plus négatif. Donc, c'est effectivement le Big Crunch. Ça, c'est le Big Crunch. Ça, c'est le Big Bang. C'est une expansion, mais décélérée parce que H diminue. Alors, à travers T fois grand T pour T dualité fois petit t pour time reversal, on obtient cette expansion accélérée. Donc, la vraie question qu'on va discuter à la fin de ce terme-là, c'est comment connecter entre les deux solutions. Et là, disons, ce petit cercle, c'est pour dire, c'est ce qu'on aimerait faire, okay? Avoir les deux en même temps. Partir avec une expansion accélérée et terminer avec une expansion décélérée. Alors, je passe au cours suivant. Et disons, aujourd'hui, on va parler que du scénario non perturbé, c'est-à-dire homogène. Et pas la semaine prochaine parce qu'il y aura des séminaires, mais la semaine d'après, on va parler des perturbations cosmologiques dans ces scénarios et finalement la comparaison, les prédictions et les possibles comparaisons avec des données. Alors, je commence avec une question qu'on peut tout de suite se poser, c'est comment ça se fait qu'on a obtenu un modèle d'inflation de la théorie des corps en utilisant 15 champs scalaires avec un potentiel, sans potentiel. Parce que si vous avez bien regardé, je n'avais pas mis un potentiel dans ma Lagrangienne. Donc, semblerait un peu impossible d'avoir obtenu l'impossible. Et la réponse à cette question est liée à la façon dans laquelle les dilatons entrent dans la théorie des cordes.
Je vous rappelle que l'exponentielle du dilaton, c'est ce qui détermine la constante de couplage de la théorie et, à travers la constante de couplage, aussi les rapports entre la longueur de Planck et la longueur de la corde. La longueur de Planck est liée à la constante de Newton, donc c'est normal que si le dilaton contrôle la constante de couplage, comme la constante de Newton, c'est une des constantes de couplage, aussi la longueur de Planck soit contrôlée par les dilatons. Alors, considérons une solution du post-Big Bang ordinaire qui décrit une expansion décélérée et avec un dilaton constant. Donc, très conventionnel. Si on applique, comme je l'ai montré tout à l'heure dans le dessin, cette transformation SFD fois T, pardon, c'est une autre notation ici, la solution va décrire une accélération de l'univers, mais aussi avec un dilaton qui croît. Hein, on peut voir très facilement que les dilatons, pas les phi bar, les phi bar par définition restent les mêmes, mais les phi, qui est celui qui vraiment contrôle la constante de couplage, lui, il bouge. Donc s'il était constant après, à t positif, il sera croissant à t négatif. Donc ça veut dire que à t négatif, la constante de couplage et les rapports Lp sur Ls croît. Donc, c'est ce qu'on trouve, c'est qu'il y a bien une expansion accélérée si je mesure toutes les distances en unité de longueur des cordes. Donc, ça veut dire que l'univers croît d'une façon même accélérée si on mesure sa taille avec un mètre fait de petites cordes. Mais, comme les rapports Lp sur Ls croient aussi, elle croît tellement rapidement, lui aussi, que du point de vue d'unité de longueur de L Planck, en effet, l'univers fait une contraction. Vous voyez, donc c'est pour ça que, effectivement, ça c'est la solution de ces petits paradoxes. Si on travaille dans la métrique dite d'Einstein, on retrouve les équations d'Einstein cosmologiques et dans cette équation-là, dans cette métrique-là, effectivement, on n'a pas une expansion accélérée, on a plutôt une contraction. Mais si on regarde la longueur de la corde comme la chose fondamentale dans la théorie des cordes, on mesure toutes les dimensions des objets, de notre univers et tout ça en unité de corde, on trouve qu'il y a une expansion. Donc, quand on se pose la question, est-ce que cette cosmologie du pre-Big Bang, on devrait l'appeler du pre-Big Bounce plutôt, est une cosmologie à rebondissement, si on parle d'un rebondissement du facteur d'échelle de l'univers, donc contraction-expansion, la réponse dépend du mètre qu'on utilise. Hein? Donc, si vous voulez, le facteur d'échelle A peut ou peut pas rebondir. Mais, et ça c'est la chose qui ne dépend pas des repères Einstein ou cordes qu'on utilise, elles correspondent toujours à un rebondissement dans la courbure de l'univers. C'est-à-dire, il y a une phase de courbure croissante qui après devient une phase de courbure décroissante à travers une phase intermédiaire qu'on appelle une phase de cordique, pendant laquelle la courbure est censée rester de l'ordre de l'échelle de la corde. Hein? Ça, c'est l'échelle typique d'une courbure dans la théorie des cordes. Je note entre parenthèses que
une contraction accélérée peut aussi résoudre les problèmes du Big Bang Show. Ce n'est pas vraiment absolument nécessaire d'avoir une expansion accélérée. Une contraction accélérée peut donner des résultats très semblables. Et en effet, si on regarde toute cette problématique dans les repères d'Einstein, on trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mêmes prédictions que on peut interpréter comme le résultat d'une contraction accélérée. Mais on restera dans la description, dans les repères de la corde, qui est plus physique, je trouve. Alors, pour l'instant, pour obtenir mes solutions cosmologiques, j'avais fait appel à nouveau à un principe cosmologique, donc d'homogénéité, comme on l'avait fait dans les scénarios conventionnels du Big Bang. Mais on avait justement critiqué les scénarios classiques parce qu'ils partaient avec des conditions initiales très, très bien choisies. Donc, on aimerait bien que cette cosmologie du pré-Big Bang sorte dans des conditions initiales les plus génériques possibles. Alors, je vais maintenant illustrer comment ces conditions initiales génériques, on peut les voir si on fait une hypothèse qu'on a appelée des banalités dans les passés asymptotiques. Donc, si vous voulez, on va partir avec une hypothèse, des conditions initiales qui sont carrément à l'opposé de ce qu'on prend dans la cosmologie standard, pré-inflationnaire, mais aussi inflationnaire, où on dit que tout est parti d'une singularité. Hein? Ce Big Bang mystérieux. Hein? Donc, on va partir avec des conditions initiales tout à fait à l'opposé. Et comme on va partir avec des conditions initiales très banales, si vous voulez, il n'y a pas une singularité dans le passé qui nous empêche de remonter plus loin, plus loin, plus loin dans le temps. Donc, si vous voulez, la nécessité d'avoir un début du temps elle n'est pas seulement repoussée à des temps précédents, mais elle est complètement éliminée. Il y aura un prix, ou si vous voulez, une question à résoudre, comme on verra bien, mais disons, ça, c'est la philosophie. Donc, pour entrer un petit peu plus dans les détails, qu'est-ce que c'est cette hypothèse des banalités asymptotiques dans le passé? On va dire que, comme on va vers temps égale moins infini, l'univers, on va le prendre comme une solution tout à fait générique, mais qui est une perturbation, si vous voulez, générique du vide perturbatif de la théorie des cordes. Le vide le plus simple de la théorie des cordes, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est un espace de temps à 10 dimensions, plat, complètement plat, hein, spatialement et temporellement plat, et avec une constante de couplage très petite. Ça, c'est un vide exact de la théorie des cordes, parce que, disons, si je suis à constante de couplage zéro et à courbure zéro, il n'y a pas de correction, ni d'un type, ni de l'autre, et donc ça, c'est un vide exact de la théorie, supersymétrique et tout ça. Alors, on va dire que l'univers, si on va vers l'infini passé, tend vers cet univers complètement banal. Mais si on remonte, si on avance dans le temps, on aura une perturbation générique de cet univers, donc avec des perturbations arbitraires, petites mais arbitraires. Une autre chose importante, c'est que si effectivement on part avec une constante de couplage très petite, on peut démontrer qu'on ne peut pas générer
un potentiel pour les dilatons. Donc, on va travailler, effectivement, comme je l'avais fait tout à l'heure, sans potentiel pour les dilatons, au moins jusqu'à quand les champs, la constante de couplage reste petite. Donc, si on fait cette hypothèse-là, on a la vie facile parce qu'effectivement, on connaît la théorie dans ce régime, bon, et on peut suivre l'évolution de l'univers, a priori, pendant un certain temps. Combien de temps? Bon, ça dépend. Si, en partant avec ces conditions initiales, petit à petit, on va vers une solution de plus grande courbure, plus grande constante de couplage, à un certain moment dans l'évolution de l'univers, on se trouvera que l'approximation est la plus valide. Mais pendant un certain temps, peut-être même un temps infini, on pourra jouer avec ces modèles de l'univers. Donc, ça, c'est une illustration de ces conditions initiales qui utilise le diagramme de Carter et Penrose, où on ramène l'infini passé et l'infini futur sur des lignes qu'on peut mettre sur une projection. Donc, là, c'est ce qu'on appelle l'infini du type lumière du passé. Je pense qu'on a parlé de ça pour les formations des trous noirs. Et là, on a notre condition initiale. Donc, les données initiales sont données sur cette surface-là, si vous voulez. Et on s'attend que l'évolution de cette condition initiale nous amène à un Big Bang, où on verra bien à quoi. Et nous, on est beaucoup plus loin dans ce diagramme. Donc, on part avec cette action efficace et on étudie les solutions génériques de cette équation-là. Et ce n'est pas trop difficile à voir que la solution générique, mais qui est une perturbation de la solution banale, c'est-à-dire, je répète, phi constant et métrique banale, contient le juste nombre de fonctions arbitraires pour pouvoir l'appeler une solution générique de ces équations. Comment on peut décrire cette solution générique? Je n'ai pas voulu écrire trop de formules, mais physiquement, elle représente une superposition assez chaotique d'ondes du type gravitationnel et dilatonique. Bon, je ne parle pas pour l'instant de ces champs diminués. On peut les rajouter aussi. Il y a une propriété importante de ce régime asymptotiquement banal qui est représentée par cette action-là, c'est que les équations de champ ont deux invariances exactes. Une, qui est assez banale, c'est par rapport à un déplacement constant du dilaton. Si je prends les dilatons phi et je les remplace par phi plus 100, un nombre, n'importe quel quant, l'action, elle change par un facteur. Mais comme vous savez, si l'action classique change par un facteur, les équations du mouvement, elles ne changent pas. Donc, si j'ai une solution avec un certain phi, la même solution existe si j'ai fait bouger phi par n'importe quelle constante. Et l'autre propriété de cette solution, qui dépend du fait qu'il n'y a pas de potentiel, c'est que je peux aussi faire un changement d'échelle des coordonnées. Donc, si j'ai une solution avec certaines échelles, des courbures, que sais-je, je peux aussi avoir une autre solution où
toutes les échelles sont changées par un facteur constant. Donc, le résultat de ces deux invariances, c'est que la solution générique contient aussi deux paramètres arbitraires. Un, c'est les valeurs initiales du dilaton, et l'autre, c'est l'échelle de la courbure typique de la courbure. Donc, je peux partir avec une constante de couplage qui est aussi petite que je veux et avec des courbures qui sont aussi petites que je veux. Alors, une propriété des solutions qui vont vers la solution banale à l'infini passé, c'est qu'elles ont la tendance à devenir, par contre, plus compliquées, curbées, couplées, comme on avance dans le temps. Hein? Donc, on part avec des conditions très simples, mais génériques. On avance dans le temps et on trouve que la vie se complique. Et vous savez qu'il y a, en relativité générale, dans les années 70, Hawking et Penrose ont prouvé des théorèmes généraux de singularité qui nous disent que une chose qui arrive souvent, c'est que même si on part avec des conditions initiales très innocentes, on produit souvent des effondrements gravitationnels. Voilà, là, on va toucher un petit peu à la connexion entre ces deux parties du cours, les trous noirs et la cosmologie. Donc, on part avec ces conditions initiales très simples, génériques mais simples, on laisse évoluer le système et on s'attend, à cause des théorèmes de singularité, que tôt ou tard, ici ou là, des trous noirs ou des horizons ou des surfaces piégées, comme on a discuté la dernière fois, se forment et donc des trous noirs se forment. Alors, la cosmologie du type pré-Big Bang aura lieu pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ces trous noirs qui se forment, ou à l'intérieur de ces surfaces piégées. Donc, c'est ça l'idée de base. Et là, disons, on peut avoir plusieurs... je pense que j'ai là un dessin plus grand. Disons, on part avec cet ensemble chaotique d'ondes gravitationnelles et scalaires, mais comme elles commencent à interagir entre elles, il y a l'attraction gravitationnelle, il peut se produire un trou noir peut se produire ici, un autre peut se produire ici. Et si on va étudier ce qu'il se passe à l'intérieur de ce trou noir, on trouve une évolution cosmologique. Je l'ai déjà mentionné quand j'ai parlé de la métrique de Schwarzschild, qui à l'intérieur de l'horizon de Schwarzschild, il y a un changement des signes, la coordonnée radiale devient du type temps, et donc, c'est ce que cette métrique de Schwarzschild décrit, c'est effectivement un univers en contraction, un Big Crunch. Voilà, là c'est un autre dessin que j'avais fait il y a longtemps. Et donc il peut y avoir en parallèle plusieurs trous noirs qui se forment, et à l'intérieur de chaque trou noir, il y aura une cosmologie différente. Alors, ça, ce sont des jolis mots, mais est-ce qu'on peut faire vraiment des calculs? Est-ce qu'on peut vraiment essayer de résoudre ces problèmes? C'est très compliqué dans les cas généraux. Si on n'assume aucune symétrie, vous savez, c'est comme résoudre les équations d'Einstein en général. C'est très, très difficile. Alors, dans le passé, il y a, vous voyez, déjà pas mal d'années, on a traité deux cas spéciaux. Un, c'est les cas asymétrie sphérique, et l'autre, c'est asymétrie planaire.
Alors là, c'est un travail qu'on a fait avec Alessandra Bonanno et Thibaut Damour. On a dit, bon, concentrons-nous autour, disons, dans ces trous noirs qu'on aimerait bien former et faisons une approximation des symétries sphériques autour de ces trous noirs. Alors, pourquoi ça nous aide beaucoup? Parce que si on prend notre problème et on le réécrit dans la métrique d'Einstein, juste vu comme une transformation mathématique, hein, juste un changement des variables, on ramène notre problème à un problème que les gens ont déjà étudié en relativité générale, en particulier par M. Christodoulou, qui a écrit une longue série de travaux, que j'ai déjà mentionné en passant quand on parlait des critères d'effondrement. Donc, Christodoulou a, il s'avère, il a exactement étudié les problèmes qui nous intéressent. Les fondements gravitationnels d'un champ scalaire couplé d'une façon minimale, que c'est exactement ce qu'on trouve si on transforme notre action dans les repères d'Einstein, et dans le cas de la symétrie sphérique. Et Christodoulou a trouvé un critère quantitatif pour dire quand ce champ scalaire donne lieu à une surface piégée, et donc à la formation d'un trou noir. Et pas seulement ça, il a étudié la solution à l'intérieur de l'horizon dans ces cas-là. Donc comment la métrique et le champ scalaire lui-même évoluent à l'intérieur du trou noir. Alors, il a trouvé, comme on s'attendait déjà à cause du raisonnement que j'ai fait, que le critère de Christodoulou est invariant par une transformation d'échelle et aussi c'est invariant par rapport à un déplacement constant du dilaton du champ scalaire. Et il a à voir avec une valeur critique pour un rapport sans dimension. Si vous voulez, c'est le rapport entre l'énergie qui arrive pendant un certain laps de temps. Hein. C'est le rapport entre l'énergie qui arrive dans le système, voilà. Là, j'envoie de l'énergie dans le système, mais il y a aussi une durée, vous voyez là, le temps qui passe, c'est le long de cette ligne-là. Donc, s'il y a assez d'énergie qui rentre dans le système par unité de temps, on appelle ça le temps avancé, hein, techniquement. Donc, en unité G égale C égale 1, ça, c'est un rapport sans dimension. Et Christodoulou a donné des critères précis, mathématiques, pour dire si on dépasse une certaine valeur critique, il y aura effondrement. Donc, mais je vais souligner le fait que ces critères, ils fixent ni la valeur du dilaton, ni l'échelle. Par exemple, l'échelle de l'horizon qui est formé. Okay. Et en plus, Christodoulou a étudié donc le comportement à l'intérieur de la surface piégée, et en particulier les comportements asymptotiques de la solution tout près de la singularité qu'on trouve, disons, à R égale 0, hein, si on est dans Schwarzschild, donc sur la surface qui définit la singularité. Il a trouvé que la solution est dominée par les dérivés temporels, donc les dérivés spatiales deviennent de moins en moins importants comme on arrive vers la singularité, et donc on obtient exactement des solutions du type Kasner avec une toute petite généralisation dans les repères d'Einstein. Alors, une fois résolu les problèmes, une fois utilisé
c'est ce que Cthulhu a fait. On peut transformer à nouveau à l'envers au système, au repère de la corde, et dans ce système-là, on trouve exactement la solution que je vous avais donnée, à une petite exception près, c'est-à-dire que ces exposants PI ne sont plus des nombres, mais sont eux-mêmes des fonctions de X. Bon, X, c'est générique pour toutes les autres coordonnées, sauf le temps. Le temps, disons, devient la distance qu'on a par rapport à la singularité, et X sont les autres coordonnées qui paramétrisent la surface, si vous voulez, de la singularité. Donc, on obtient exactement ça, mais avec une dépendance de X, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on met cette solution dans les équations, on trouve que les dérivées par rapport à X sont beaucoup plus petites que les dérivées par rapport à T. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est aussi une solution comme celle où il n'y avait pas de dépendance de X. Okay? Alors, dans cette hypersurface de la singularité, on trouve des très grandes régions qui sont grandes et isotropiques. Vous voyez, dans les repères d'Einstein, il y a une contraction, mais dans le repère de la corde, c'est Px peut bien être négatif, et donc on obtient quelque chose du type moins t à la puissance. Là, j'aurais dû mettre que les signes moins pour dire qu'on arrive à t égale 0 par des valeurs négatives. Donc, je pense que je vais les corriger parce que. Mais par contre, le petit p peut être négatif. Donc, vous voyez qu'il y a des dimensions de l'espace qui peuvent croître. À l'intérieur de ces trous noirs, on a un effondrement ou un univers en contraction si on mesure tout en unité de longueur de Planck, mais par contre, on peut bien avoir une expansion, même une expansion accélérée, si on mesure tout en unité de corde. Et on trouve que pendant cette période-là, l'univers devient toujours plus plat et homogène. Et pour avoir l'effet désiré, on a besoin de partir avec un rapport très grand entre les rayons de la surface piégée et la longueur de la corde, et aussi une valeur du dilaton assez négative. Hein? Donc, on a à un certain moment la formation de la surface piégée. La surface elle-même doit être grande en unité de corde pour commencer avec des petites courbures et avoir une longue période d'inflation, si vous voulez. Aussi, on a besoin d'une toute petite valeur initiale du dilaton ou de la constante de couplage, de telle façon qu'on peut continuer à avoir cette solution avant de rentrer dans un régime de grande constante de couplage. Alors, ça, c'était le cas à symétrie sphérique, qui est effectivement, confirme un petit peu la validité de ces modèles de pré-Big Bang dans un cas générique. L'autre cas, que, si vous voulez, c'est un peu à l'opposé, c'est le cas d'une symétrie planaire, où on prend la collision de deux ondes. Hein. Imaginons qu'on a ces ondes gravitationnelles et scalaires dans l'univers primordial et qu'on regarde la collision entre deux ondes. Et on fait là une autre approximation. On dit que, bon, on prend les fronts
des ondes très étendues et on met une symétrie planaire sur les ondes. Ce modèle a l'avantage, peut-être c'est un peu moins réaliste que les précédents, par contre, a l'avantage que les modèles, on peut les résoudre exactement. On n'a pas besoin, si vous voulez, des résultats des cristaux d'Hoole qui sont pas sont analytiques, mais ne sont pas, comment dire, explicites. Ils utilisent beaucoup des bornes, des approximations et tout ça pour établir des résultats rigoureux, mais ils ne sont pas quantitatifs. Alors, dans ces cas-là, on peut vraiment résoudre les équations. Dans les cas où les fronts des ondes sont infinis, comme indiqué ici, disons, imaginons qu'il y a deux ondes qui font une collision et que les fronts sont infinis et qu'il y a une symétrie planaire. À cause de la causalité, on peut appliquer les mêmes résultats même si les ondes sont finies et si on se limite à une région finie de l'espace-temps. Hein, ça, il faut le dire. Et à nouveau, on trouve un résultat du même type de ce qu'on a décrit tout à l'heure pour les cas à symétrie sphérique, c'est-à-dire que tout près de cette singularité qui se forme après la collision, vous voyez, là, il y a les deux ondes qui se croisent. Après, ils se séparent, mais ils laissent derrière eux une singularité. Ça, on peut vraiment faire le calcul dans le cas d'ondes infinies. Tout près de la singularité, là, on peut étudier à nouveau la géométrie et on trouve à nouveau ces solutions de type Kasner qui sont vraiment très, très similaires à ce qu'on avait tout à l'heure dans les cas asymétrie sphérique, à nouveau avec des exposants qui dépendent des coordonnées, des autres coordonnées. Donc, je pense qu'il y a un certain support théorique pour dire qu'effectivement, si on part avec des conditions initiales génériques mais asymptotiquement banales, on s'attend à voir des formations de trous noirs et en plus une cosmologie du type pré-Big Bang, du type volu, à l'intérieur de chaque trou noir, de chaque horizon. Il reste ce problème qu'on appelle des réglages fins, c'est-à-dire que pour résoudre les problèmes qui l'inflation résout, il faut partir avec ces paramètres arbitraires et les fixer à des valeurs très petites ou très grandes, selon comment vous les regardez. Typiquement, on a besoin d'avoir un dilaton qui est au départ de l'effondrement ou de la formation du trou noir a une valeur plus petite que moins 100. Donc, si vous voulez, la constante de couplage va être l'exponentielle de moins 100. Donc, très, très petit. On doit vraiment partir avec un univers presque libre, sans interaction. Et l'autre, c'est que les rayons de cette surface piégée doivent être typiquement de l'ordre c'est de l'ordre d'un noyau d'atomes, hein. C'est pas trop grand, mais c'est quand même 10 à 20 ordres de grandeur plus grand que la longueur de la corde. Donc on a besoin de ces grands nombres, hein, 10 à la puissance 20, ici exponentielle de moins 100. Et les gens se sont posé la question, est-ce que ce n'est pas aussi une espèce de réglage fin. Et des gens comme André Linde, qui, vous savez, c'est un des gens qui ont contribué le maximum à la théorie de l'inflation, ont pris la position, oui, c'est pré-Big Bang, et effectivement,
à exclure parce qu'il faut effectivement choisir ces nombres tellement grands ou tellement petits. Personnellement, je ne suis pas d'accord pour les raisons que j'ai expliquées. Disons, ce scénario des pré-Big Bang est chaotique. On part avec des conditions initiales qui sont très génériques et effectivement, la théorie tout près de l'infini passé a cette invariance, a ces deux invariances qui font aussi que les valeurs de ces deux paramètres sont arbitraires et donc peut avoir toute une distribution de valeurs. Donc, je pense que un univers assez grand et assez simple comme le nôtre peut émerger, bien sûr, avec tant d'autres. Hein. Disons, si on a vraiment une distribution générique pour les valeurs des phi et des r, on peut avoir, entre autres, aussi un univers qui est semblable au nôtre. Donc, moi, je ne suis pas trop sensible aux critiques de ces scénarios sur cette base. Il y a, on verra bien, des questions beaucoup plus de physique. Il me semble que là, c'est plutôt un problème philosophique que de physique. Il y a en effet des gros problèmes, des problèmes théoriques. Ah, pardon, je pensais que j'arrivais tout de suite là. Mais je les mentionne quand même tout de suite. Les problèmes théoriques les plus pressants, c'est de comprendre comment on fait la connexion entre cette phase des courbures croissantes et l'autre des courbures décroissantes en évitant une singularité entre les deux. Ça, c'est le problème théorique numéro un. Et le problème phénoménologique numéro deux, c'est le problème des conséquences observables de ces scénarios-là, en particulier les perturbations. Alors, avant de passer au problème théorique que j'ai mentionné, je mentionne rapidement qu'il y a des extensions de ces modèles où on rajoute au champ des dilatons le champ antisymétrique B mu nu ou aussi d'autres formes de Ramond-Ramond hein, dont on a parlé pour les trous noirs beaucoup. Pourquoi pas introduire aussi ces champs-là comme champs de fond. Bien sûr, tous ces champs-là vont être excités par des phénomènes de fluctuations quantiques. Ça, on va en tenir compte. La question est si on doit introduire ces champs-là comme des champs de fond, en ayant une valeur classique non nulle. Alors, si on fait ça, on n'améliore pas trop les modèles. Même, je dirais, le contraire. On réintroduit dans les solutions homogènes les soi-disant oscillations des BKL, qui sont bien connues en relativité générale et qui sont, si vous voulez, la conséquence de l'anisotropie de les solutions de Kasner. Vous avez vu que grâce au dilaton, on a pu éviter ces solutions hautement anisotropiques et en même temps, on évite les oscillations. Bon, comme je vois que le temps passe vite, je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur ces oscillations. C'est un phénomène très intéressant, étudié dans des beaux travaux de Damour et Hennon, où ces exposants de Kasner font des sauts. C'est-à-dire, cette hypothèse que les dérivées par rapport à l'espace sont négligeables, elle devient plus vraie à un certain moment, et donc ces exposants de Kasner font des sauts. Et c'est une mathématique très, très, très amusante qui suit. Alors, on passe vite à des autres modèles d'univers
un rebondissement, mais je vous souligne que la semaine prochaine, il y aura deux séminaires de Cédric Defayet, qui est vraiment un expert des cosmologies basées sur des dimensions supplémentaires. Et donc là, je vais juste mentionner très rapidement des modèles dont on a beaucoup parlé dans la communauté scientifique, qui sont nés après les modèles du pré-Big Bang, mais disons, utilisent plutôt l'idée de l'univers Branner. Alors, il y a l'univers dit ekpyrotique, pour des raisons que je ne vais pas m'attarder à expliquer, qui a été inventé par ces quatre messieurs, Khoury, Ovrout, Steinert et Turok. Alors, le premier modèle ekpyrotique est assez baroque. Peut-être que je ne vais même pas le décrire en détail. Il y a notre Bran, et après, il y a une grande dimension supplémentaire de l'espace, mais nous, on est confiné à une Bran, et il y en a une autre qui vient frapper contre nous, et ça correspondrait au Big Bang et chaufferait notre univers et donnerait naissance à la cosmologie ordinaire. J'aime plutôt, je trouve plus simple et mieux basé une variante, si vous voulez, de ces modèles ekpyrotiques qui est due au même auteur, plus Nati Seiberg de Princeton, qui part d'une théorie très, très solide. C'est la théorie dite de Orava-Witten, que vous retrouverez mentionnée très brièvement quand j'ai fait le résumé de l'année passée, vers la fin. On a parlé de la supergravité à 11 dimensions et les connexions entre la supergravité à 11 dimensions et les théories des corps dans 10 dimensions. Et en particulier, j'ai mentionné que si on prend la 11e dimension de la supergravité à 11 dimensions et on la compatifie sur un segment qui est écrit mathématiquement comme S1 divisé par Z2, mais effectivement, c'est une façon compliquée de dire un segment avec des extrémités. Ça nous redonne la théorie des cordes hétérotiques basées sur le groupe de jauge E8 fois E8. Alors, dans la supergravité à 11 dimensions, il n'y a pas de dilaton. Et c'est vraiment comme Einstein. C'est gravité sans un champ scalaire. Dans E8 fois E8, c'est une théorie des cordes, il y a le dilaton. Et le mystère est résolu par le fait que les rayons, la distance, la longueur de ces segments, donc la taille de la 11e dimension, joue le rôle du dilaton. Et il y a une liaison précise entre la taille de la 11e dimension et la constante de couplage de la théorie. Plus grand est la taille R11 et plus grand est la constante de couplage. Donc, leur modèle cosmologique, c'est à nouveau un modèle d'univers Branner. Nous, on vit sur cette Bran qui est à une des extrémités du segment. Il y a l'autre Bran à l'autre extrémité, mais il y a une variation des R11 qui correspond à une variation du dilaton dans la théorie des cordes. Mais cette variation va d'un grand R11, d'un grand constant de couplage, vers une petite constante de couplage. Donc, si vous voulez, il ressemble finalement à ce qu'on avait, mais avec une inversion, c'est-à-dire que là, on prend un dilaton qui commence avec un constant de couplage qui, au début, est très grand et après, il devient très petit. Et les Big Bang seraient les moments où cette taille
devient 0, donc les segments, la taille de la 11e dimension devient 0. Donc, et les gens ont travaillé aussi sur ces modèles-là. Mais de toute façon, il y a les gros problèmes théoriques, donc j'ai mentionné tout à l'heure, c'est de comment connecter la solution AT négative à la solution AT positive. Donc, si on ne peut pas faire la connexion, tout ce que je vous ai raconté est complètement inutile, hein, parce qu'on a un autre univers, mais qui a sa vie, qui termine avec AT égale 0, et il y a un autre univers qui commence AT égale 0. Il n'y a aucune relation entre les deux. Donc, la question, et c'est là qu'effectivement la théorie des codes devrait jouer un rôle très important, c'est de comprendre si on peut faire cette connexion, si on peut éviter la singularité. Ça, c'est les problèmes les plus difficiles, parce que comme on va vers la singularité, la courbure et la constante de couplage, au moins dans les modèles pré-Big Bang original, devient grand. Donc, pour décrire cette phase-là, on doit résoudre la théorie des codes dans un régime très difficile. Grand courbure, grand constante de couplage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est un petit dessin pour dire, dans un plan, là, c'est un diagramme un peu différent des précédents. Là, j'ai mis la constante de couplage, si vous voulez, l'exponentielle des phi. Et là, j'ai mis H, grand H, comme courbure typique. Les flèches sont les trajectoires qui décrivent nos solutions du pré-Big Bang. Pourquoi il y a plusieurs flèches? Parce que ça dépend des conditions initiales. Hein, on peut avoir une solution qui arrive comme ça ou comme ça. Elles sont différentes parce que, disons, si je suis cette flèche-là, je rencontre des grandes courbures avant que je puisse avoir des grandes constantes de couplage. Vice-versa, si je choisis cette autre condition initiale. Donc, mais d'une façon ou de l'autre, tôt ou tard, on va arriver dans des régimes difficiles à traiter. Alors, il y a beaucoup de résultats en théorie des cordes sur le régime des grandes constantes de couplage, un peu moins sur le régime des grandes courbures, mais disons surtout des grandes constantes de couplage. Mais tous les résultats qu'on connaît sont liés à la supersymétrie. C'est-à-dire, si on prend des solutions de la théorie des cordes qui préservent un nombre suffisant de supersymétries, alors souvent on peut faire aussi des calculs à grande constante de couplage. On a vu un exemple, les calculs que Backus a raconté ici de l'entropie des trous noirs. Il a invoqué la supersymétrie pour dire j'ai fait un calcul à petite constante de couplage et je peux avoir confiance que le résultat reste à grande constante de couplage. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas parce que si on a des solutions qui dépendent du temps, c'est facile de voir que ces solutions-là brisent la supersymétrie. Vous savez, les translations temporelles font partie du groupe de la supersymétrie. Donc, dépendance du temps, ça veut dire brisure spontanée de la supersymétrie. Et dans ces cas-là, c'est très difficile d'analyser la théorie. Alors, on a quelques résultats qui ne sont pas complètement négligeables. C'est-à-dire qu'on a cherché des attracteurs à long temps du type décitaire, c'est-à-dire avec une géométrie à courbure constante et en même temps à dilaton, à dérivée du dilaton constant. Donc on parle de dilaton linéaire dans le temps parce que la dérivée du dilaton
par rapport au temps, phi point égale constant. Et on a vu que si on ajoute à l'action efficace des corrections avec plus que deux dérivées, et on étudie les équations, et on cherche des solutions de ce type-là, toutes les équations se simplifient. Au lieu d'avoir des équations différentielles, on a des équations algébriques. En termes de ces valeurs constantes de la courbure et de la dérivée du dilaton. Et on a exactement n équations en n variables. Donc, et on doit. Bon, là, il y a toujours des solutions à ces équations-là, mais souvent elles sont complexes. Et on a besoin de solutions réelles. Donc, on peut réduire les problèmes à dire. Est-ce que ces systèmes d'équations n équations à n variables ont des solutions réelles? Et est-ce que une ou quelques-unes de ces solutions représentent effectivement des attracteurs dans le futur de l'évolution? Alors, on a fait des exemples, on a essayé avec des exemples. Exemple assez réaliste dans le sens qu'on a pris les vraies corrections à quatre dérivées dans la théorie des cordes et on a cherché les solutions et on l'a trouvé. On a trouvé des cas où ça marche bien, mais malheureusement, disons, ces points attractifs sont dans le régime des grandes courbures, donc sont dans un régime où on ne peut pas négliger des corrections encore plus élevées. Disons, on a gardé 2 et 4 dérivées, mais comme on a des solutions où les termes à 4 dérivées sont du même ordre que les termes à 2 dérivées, c'est évident que les termes à 6 dérivées seront aussi du même ordre. Donc, c'est un problème qui est pas, donc sont des modèles, mais je vous montre c'est assez joli parce que voilà, en fonction du temps, on trouve que H grand H part en valeur très petite, donc c'est la banalité asymptotique. Hein, on a tout petit H, tout petit phi point. Alors les courbes discontinues comme ça seraient les solutions sans les corrections à quatre dérivées et ils divergent, hein, là vont vers l'infini. L'introduction des corrections à quatre dérivées, qui bien sûr contient la longueur des cordes comme paramètre, hein, nous font saturer. Donc, ils vont aller vers ces solutions du type Desit, H constant et phi point aussi constant. Donc, ça, c'est assez joli. Si, effectivement, c'est comme ça que ça marche dans la théorie non perturbative où on met toutes les corrections, si vous voulez, dues aux grandes courbures, on arriverait à c'est ce qu'on a appelé une phase corde où la courbure reste fixée. Mais comme c'est la dérivée du dilaton qui reste fixée et pas le dilaton lui-même, le dilaton continue à croître. Hein? Et donc, il nous amène petit à petit vers le régime des grands constants de couplage. Si vous voulez, je reprends ce diagramme-là. On a cette ligne-là. On arrive là, au lieu de aller vers l'infini, les corrections alpha prime nous arrêtent arrêtent la courbure, mais on continue quand même à évoluer dans phi, et donc la constante de couplage, et on va rentrer tôt ou tard dans un régime de grandes constantes de couplage. À ce moment-là, on doit rajouter des effets des boucles et on peut espérer, il y a là aussi des modèles qui semblent marcher, que c'est à travers cet effet,
ces effets ultérieurs, ces corrections ultérieures, qu'on arrive à compléter la transition à la phase des FLRW. Et il y a un bonus là, que ces effets des boucles sont liés à la production des particules, à des effets quantiques qu'on va discuter la prochaine fois, et ces effets-là vont réchauffer l'univers, vont les remplir avec de la radiation. Et donc, ils pourraient même donner une explication de l'entropie initiale de l'univers, parce que l'un des grands mystères de la cosmologie actuelle conventionnelle, ce n'est pas tellement d'expliquer l'énergie initiale du Big Bang, mais c'est l'entropie. Qui est qui a mis l'entropie qui était là au Big Bang? L'énergie, finalement, en relativité générale, c'est quelque chose qu'on peut jouer avec. Alors, mais d'autres choses doivent se passer pour vraiment nous satisfaire. D'un côté, les dilatons doivent développer un potentiel. Je dis déjà que dans la région des petits constants de couplage, on ne s'attend pas à avoir un potentiel significatif pour les dilatons. Mais quand on arrive à grands constants de couplage, il devrait y en avoir une. Et donc, à la fin de ces évolutions, les dilatons, après avoir fait tout ce boulot de nous donner l'expansion de l'univers, il resterait au minimum de son potentiel sans plus bouger. Il aurait pris à ce moment-là même une masse, et donc ça, c'est ce qui éviterait des contradictions avec les tests de précision de la relativité générale. J'ai rajouté encore une dernière transparence que vous n'avez pas dans vos mains, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les dilatons qu'il fait stabiliser. Il faut stabiliser aussi la taille et la forme des dimensions supplémentaires de l'espace. Parce que si elle varie aussi, aujourd'hui par exemple, elle nous donne aussi des variations des constantes de la nature qu'on n'observe pas. Donc, c'est important qu'après cette phase de pré-Big Bang ou des phases de cordes ou même un petit peu après, il y a une stabilisation à la fois du dilaton, donc de la constante de couplage, parce que la constante de structure fine, elle n'évolue pas, et aussi des dimensions supplémentaires de l'espace. Alors, on va voir la prochaine fois que pour générer un spectre intéressant, c'est-à-dire physiquement intéressant, des perturbations cosmologiques, on a besoin, en effet, que les six dimensions supplémentaires de l'espace aient une contraction pendant que les trois autres font une expansion. Donc, on a besoin de cette asymétrie pour des raisons phénoménologiques. Ce n'est pas que théoriquement, on est forcé à le faire, mais disons, phénoménologiquement, il faut. Donc, un modèle qui pourrait marcher serait dans lequel trois dimensions de l'espace croient, les six autres font une contraction, et autour de cette bounce, ou peu après, les dimensions supplémentaires se stabilisent typiquement à la valeur, vous rappelez, self-dual du rayon de compactification, qui, entre parenthèses, nous donne des grands groupes de jauges, de symétrie, ce qui est bienvenu, donc des groupes de jauges qu'on aime bien. Et donc, seulement si tous ces miracles ont lieu, on aura finalement, après les bangs ou les rebondis de l'univers, on aurait effectivement une phase conventionnel, convolu. Mais disons, vous comprenez, avec
toute une préhistoire de l'univers qui aurait préparé pour nous un Big Bang du type dont on a besoin. Hein. Donc, c'est ça l'idée. Bon, je termine ici. Je vous souhaite un bon week-end et je vous rappelle encore que la semaine prochaine, il y aura le séminaire de M. Defayet. Merci.